Bisalu yoso Mubi Kongo Biosu ya buko bantu Munye iwu Ujiwenda utema Usogola Bana bazambi Ema wenu Ewu ni umwewe Wendo Isangabe Banu ni umwe wako Munye iwu Wakateme na panji Tombu, tombu, and
bolingo bagamba bato ndugula bitu vya lelu lelu oyo hundi utema ulaguka mutambu baridi zila wale au edi ibenesha na pabadi na saudi zambi mumulila wato jingulula ekwita bunja ibi zambi wetu meza lendo ikaini njimba jichoka senene zisangi ya matuka ema njimba sanzo lila ela tendu ya uzeze moshinga isambo Alléluia! Les grands réparateurs de Brest! Amen! Petu kubatu Bana basia netetu bakwabu Bama bala nakana Bakapamu pekatu Mukezi wa mwambi Wadipana watwa mwisi Koyo Singulula na seudi mpenzela kapapa makuku tika kilisto chakabindi kukluse wakeza bena yula kapapa kujata kaza mpenze ukuma Jingulula ekwita buja Ili zambi wetu Mweza lido Kika ini kimba Chichoka Tetele visanji Yamatuka Memengimba sanzulita Kela tenduya Tuzezelo shinga Isambo Yakalengele Yakalengele Yakalengele
Seigneur bénisse les rouges gorges. Mukalenga benesha nyuni ya bibofu. Nous saluons les serviteurs de Dieu qui sont à notre droite. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Dans la salle, s'il y a des personnes qui sont venues prier avec nous pour leur première fois, si vous êtes là, veuillez seulement lever la main, nous voulons vous saluer. Partout où vous vous trouvez, levez seulement la main. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes contents que vous soyez venus ici chez nous. Nous avons l'habitude de nous réunir le mercredi et le vendredi. De 16h à 18h. Mais le dimanche, nous allons de 9h à 13h, sauf imprévu. Si le Seigneur peut mettre sur votre cœur de venir encore prier avec nous, nous vous en serons reconnaissants. Nous laissons la place au Direkodim. Bien-aimés frères et sœurs, chers parents, nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, au nom des amis des enfants et les enfants, veillons un peu saluer notre président de Diak. Que le Seigneur soit loué. Mukalenga atumbishibwe. Aller et revenir, ce n'est pas simple. Kuya ni kwalukila kimbalbuhehelato. C'est la protection divine. Achisi njuku badianzambi ukubabantu bend. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Kibalukai tututamba kwa nshanzambi wetu. Comme il a ramené parmi nous son serviteur. Bumwa luiji munkachimwetu mwina mujumwende. Les amis des enfants et les enfants se sont retrouvés ce matin dans leur centre respectif. Notre rapport tourne autour de 6 points. Premièrement, aux fréquentations au centre. Deuxièmement, les documents apportés par les enfants. Troisièmement, les sujets traités. Quatrième point, les dons reçus. Et cinquième point, état de besoin. Sixième et dernier point, divers. Commençons depuis le commencement. Fréquentation au centre. 16 surintendants. Pas moins, pas plus. Bravo pour eux. Merci. 170 moniteurs. Un de moins aujourd'hui. 205 surveillants. Deux de plus aujourd'hui. Acclamons pour les surveillants. Total amis des enfants. 391. Soit un de plus aujourd'hui. 2334 garçons. 42 de moins aujourd'hui. 2406 filles.
Babaka jibobo binunu bibiji nkamayinaye neba sambombo. Soit 33 de moins aujourd'hui. Le lungusha labana babaka jimakumiasa tuneba satu. Total enfants 4740. Chimukusha bana bonso bavwa binunu binayi nkamamwanda mutekete ni makumi anayi. 75 de moins aujourd'hui. Le lungusha labana makumwanda mutekete ni batanu. Les parents ont quand même conjugué un effort. Acclamons pour les parents. Total général. 5131 personnes. Soit 74 de moins par rapport au dimanche passé. Documents apportés par les enfants. 122 Bibles. 29 de plus. 298 Nouveaux Testaments. 6 de moins aujourd'hui. 420 livres. Mikanda yon sumisanga yifon kaminayi ni makumi abidi. 23 de plus par rapport au dimanche passé. Makumi abidi ni satumitenta ma bitalane lumingu lushala. 69 recueils de cantiques. Misambu, mikanda misambu yifwa makumi asambu mnishitem. 12 de moins aujourd'hui. Le lukushadile mikanda jikumine ibidi. 1201 bloc notes. Bikke pechelu bifwa chinunu nkame ibidi ne wumwe. 81 de plus aujourd'hui. Les lubitin tamé makumi mwanda mukulu ne umwe. Sujet traité. Chena bwalu chiyi labo. Dans tous nos 17 centres, on a vu le premier âge de l'église. Mubilonge di bietu bionso di kumini mwanda mtengeta bavuwa mwana chikondo cha jambedi mbedi cha ekelesia. Les moniteurs ont lu dans Apocalypse chapitre 1er 9 à 20. Balongeshi bafu baba la bashinda me na habu akabolu ibwa chapter okumpala mvensa wa chitemba toni kudi makumi abidi. Ils ont lu également dans Apocalypse 2 premier verset. Bopoku bala bil mu chapter muibidi ku mvensa wa kumpala. Galates chapitre 2e 4e verset. Galatia chapter okumpala mu chapter muibidi mvensa muinai. Acte des apôtres chapitre 15 24e verset. Malumenza bapostolo chapter wajikumi ni mwitano vensa wa makumi abidi ni mwinai. Il a été recommandé aux enfants de se repentir et vivre la parole de Dieu. Bana bafu bapeta mobelo wane nikala nunyingalala ni kwenda bilondisilane ndi ya Nzambi. Donc le dimanche prochain, le Seigneur voulant, les moniteurs vont traiter le sujet intitulé Deuxième âge de l'église. Donc reçu. Maha maheta. De l'eau à boire. Kufama ya kunwa. Du café. Bantu bafubanwa shika. Panade africaine. Badia shima. Un peu d'argent pour le fonctionnement des centres. Kintanfu jamfalanga bwa kukwatana di mudimo wa bilongezi bieto. Des cadenas. Bikufu. Des fournitures comme la craie et autres. Mikanda ya kukwatana mudimo ni mpemba ni bikwabo. Nous remercions de tout cœur nos bienfaiteurs. Merci beaucoup, chers parents. Parce que de cette façon, l'école de dimanche pourra bien tourner. Alors que le Seigneur qui voit dans le secret vous bénisse richement. État de besoin. Pas d'état de besoin exprimé cette semaine. Bravo pour les parents. Merci beaucoup. Divers. Nous avons reçu la visite de plusieurs parents dans nos centres. Des réunions étaient tenues presque partout dans nos centres et même ici à la direction de l'école de dimanche pour le progrès de cette école. En rediffusion, nous avons reçu à la TBM RTV hier le mot Carmel 2.
Alors nous remercions le diacre de Bakalala et son voisin, précieux frère Klende Dibwe. Tu dis tout ce que dit là, mon ami de Bakalala, Jean, Mutumba Wenda, mon ami Wetu, précieux Dibwe. Et tous les parents de la juridiction. Ni balai du bonso, ba mochito ayechi. Sans oublier les amis des enfants de cet centre. Katu itoa ba leji ba bana ba mochito ayechi. Pour avoir fait quelque chose pour nos enfants. Bumuvapo ba tuka kujikuye ba bana ba. Nous remercions également le DP de la TBMR TV. Tu dis tout ça que dit la cabine mota indi wachi sanji chetu. Ladislas Chibamba Dipa Jamulopo DP magnifique. Ladislas Chibamba Dipa Jamulopo. Sans oublier tout le personnel de la TBMR TV. Ouais, votre accueil nous a toujours enchantés. Que Dieu soit loué pour ça. Zambi abeneshibo. Et pour terminer, nous demandons au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham, de bien vouloir bénir le tabernacle de Mbujima et son berger. Tu dis tout le monde, Mukalenga Jésus Christ, ton Zambia William Marion Branham, Abenesha, tabernacle de Mbujima et Nimpasta Weto. Sans oublier tous ses collaborateurs. Quand tu y tournes, moi, bon, c'est pas du quoi, t'en as pour me dire, moi, qu'il bénisse nos parents. Abenesha Kabidibana, Baledi Beto. Qu'il daigne protéger nos enfants. Anisha, Akubabana Beto. Qu'il bénisse également. Leurs amis. Abenesha Kabidi, Balunda Babo. Que l'école de dimanche du tabernacle de Mbujimayi vive éternellement. Kalasa, Kadjalumiou, Katarin, Mbujimayi, Katumulu, Kumduhu, Yakana, Kachidini, Chendelele. Que le Seigneur bénisse les Direkodim. Mukalenga, Abenesha Moutaï, Douakalas, Kadjalumiou. Je vous invite à vous lever, nous allons louer le Seigneur. Dindu Bikelaba, Numayina Koulou, Tukalamoutumbusha Mukalenga. Nous irons jusqu'à 25. Que Dieu vous bénisse. Maranat numéro 23. Alléluia, tout est mis. Wa ba fasi nzi la ne.
moyo Yesu di mutwana ji baba tunde zambi boso bandi bo so badi itabuja lumuri belwandi aku Ulufune papu yaku moyo Udi upahu di upa Usobadi mezandi swajende Nyuma mwipe uche ya mbwa Kupi kundi kwambo Yesu udi Kimwe yancheye menu chandi Ibe kyalu pandu Rwani lwa chende ila Opa panambala mbunde Walu selwembe Opa, panabala bule
chichu yemenu chimwe pende chifane siakana chishiku chitugasu la be yemena kundama malumaku oh kilisto kilisto kedimwe nyakwe yemen nibawe kibwe jamu siyo uomu tuyo soyo soudi uje yemena kena ufe shiwawo oh kilisto kilisto ke imwe nyakwe yemen nibawe kibwe jamu siyo uomu tuyo soyo soudi uje yemena kena ufeshi mwangu wachini uji uji ama kena wewe uji tunyamina chingu walunasha babu wamba bukole isini avandamu oh kilito kilito kendi mwenya kweyo me jiba we jiba jamu siyo uomu tiyo soyo soji uje ya mena kena ufisi wabu oh kilito kilito kendi mwenya kweyo me jiba we jiba jamu siyo uomu tiyo soyo soji uje ya mena kena ufisi wabu Nisama nasha jojo jamuni Munda pe unene ujeku Nasha kuri ajaku yingolo Yesuji yeho wala Kuo kilisto kilisto Kedi mwenya kweyo me Jiba we jiba jamu Siyo, uomu tiyo soyo soji Uje ya mena, kena ufishi wawo Oh, kilisto, kilisto, kedi mwenya kweyo me Jiba we jiba jamu Siyo, uomu tiyo soyo soji Uje ya mena Kena ufisi mwambu Mutatu Muzalane mususu Tujine Musambi mwimpambi Nikwajisha Ikena dipanga Jivadja Walubuku Oh kilisto kilisto Kedi mwenya kweyo me Jiba we jiba jamu Siyo uomu tiyo soyo soji Uje ya mena Kena ufisi wabu Oh kilisto kilisto Kedi mwenya kweyo me Jiba we jiba jamu Siyo uomu tiyo soyo soji Uje ya mena Kena ufishi mwabu
Pharaon en Égypte, par la petite fenêtre, il pouvait regarder Israël. Et voir des esclaves. Ne vaut rien. Quand Moïse venait sur la même fenêtre, lorsqu'il regardait, il voyait le peuple racheté. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je me tiens à la même fenêtre. Et quand je regarde dans la salle, je ne vois que l'agneau Pascal. Je vois l'emblème suprême. Je ne vois que le sang de Jésus. Mais attention. Lorsque Pilate a relâché Barabbas, à la demande des Juifs, et qu'il a livré Jésus pour être crucifié, c'est à partir de la cour de Pilate que Jésus a commencé à être fouetté, blessé à partir de la cour de Pilate. Et le sang de Jésus est tombé dans la cour de Pilate. Et
Et ce matin, je vous informe qu'il est en enfer. Tout dépend de la manière dont vous considérez le sang de Jésus. Le même sang de Jésus qui a sauvé les brigands à la croix, c'est le même sang qui a amené Pilate en enfer. Mes frères, nous ne serons pas tous les jours en train de venir toujours enseigner. Nous sommes avisés. De même que Titus avait assujetti Jérusalem. De même qu'un jour ses portes seront fermées. Et vous trouverez écrit Igabod. Nous avons ainsi dit le Seigneur, on va nous fermer. Pas de culte à tenir. Pas de communion fraternelle. Pas de mariage à consacrer. Pas de nettoyage au temple. La bête va se soulever. Et la Odyssée est l'âge le plus court. Il a déjà pris fin. Nous vivons le temps de la prolongation de Dieu. La Odyssée est déjà arrivée à sa fin. Nous vivons le temps de la patience de Dieu. Je bénis le Seigneur Jésus pour ce réveil matinal. Et cette grâce de nous retrouver dans son sanctuaire. Je remercie le berger pour la bénédiction qu'il m'a accordée de tenir le service du Saint-Esprit. Vous savez, des fois quand on monte derrière cette chaire, tu peux parler sous l'onction. Sans que cela ne vienne de toi. Moi, je ne savais pas que le pasteur avait dans son cœur le programme du Saint-Esprit de Kinshasa. Même si vous m'avez dit, moi, je suis un pasteur, je suis un pasteur, je suis un. Et ces jours-là, les dimanches passés, sous l'onction, j'avais dit ce que j'avais dit là. La preuve que ce n'était pas moi, le soir même dans la réunion des jeunes, il dit le diacre livre, il commence dès ce mercredi. Le mercredi, je n'étais pas à la chair. Je lui ai dit non, révérend, donnez-moi le temps de me rechercher. Ce que ce n'était pas moi qui avais dit ça. C'est Dieu. Zambi. Que Dieu bénisse notre berger. Zambi a béni cher pasteur Weto. Je dis shalom aux vêtements de l'Éternel qui sont à ma droite. Bilamba bien Zambi, bidi kujabalo majanyeku, njimbi la moyi. Je n'ai pas changé le sujet. Je continue à emboîter le pasteur avec les sujets qu'il avait déjà annoncés. Vous devez naître de nouveau. Là, je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans Jean 3. Depuis le premier verset, je lis deux versets. Vous je continue la lecture. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Qui vint lui après Jésus, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, où lui là, dit Yesu, bufuku. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je vous prie de vous asseoir pendant que je continue la lecture. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme ne naît de nouveau, il
il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ajoutons quelque chose dans Proverbe 22, 6. Je garde le sujet, vous devez naître de nouveau. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Prions. Notre Père et notre Seigneur, notre bouche pue tellement que nous ne sommes même pas en mesure de citer ton saint nom. Durant cette semaine, qu'est-ce que nous n'avons pas parlé? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Des choses malsaines, des mauvaises choses. William Branham nous enseigne que si les saints anges qui sont permanents devant ta face puent à tes narines, qu'en sera-t-il de nous les gentils? Israël avait Dieu dans son sang, mais pas nous. Nos ancêtres étaient des idolâtres. Nos parents étaient dans des coutumes. Ils s'étaient cramponnés à des futilités. Mais qui sommes-nous, Seigneur, notre Père? Nous sommes seulement des mortes de terre que tu avais maudit en Éden. Qu'est-ce qui est de bon en nous, Seigneur? Qu'est-ce qui est de meilleur en nous? Qui peut mettre son doigt en l'air ce matin? Seigneur, notre Père, celui qui nous a appelés, c'est toi, grand Dieu. Que tu ne sais pas pour venir nous battre, mais tu as des bonnes choses pour nous. Nous ne sommes pas venus ici présenter nos vêtements. Au milieu de nous, qui peut s'être habillé comme Salomon? Qui? Parmi nous, Seigneur, qui peut manger comme mangeait les rois David avec 500 femmes, tellement riche. Et quand David pouvait parler, il dit, Seigneur, enseigne-moi bien compter mes jours. Chaque personne a des jours qui lui est imparti. Mais dans notre ignorance, dans notre orgueil, nous parlons sans t'attendre, Seigneur. J'achète la personne de même, je vais construire ceci. Je vais aller à qui? Je vais faire ceci. Sans réfléchir pour les jours qui nous sont impartis. Qui sommes-nous, le Dieu adoré? Et quel David, l'homme saint? J'ai constamment l'Éternel devant ma face. Mais ne regardant pas ses richesses, Seigneur. David pouvait dire qu'il est un homme heureux. C'est celui que Dieu n'impute pas ses péchés. Le bonheur n'est pas dans l'argent. Nous ne sommes pas des gens heureux parce que nous roulons dans des véhicules.
ne sommes pas heureux. Tout, Seigneur. Nous ne sommes pas heureux par le fait d'avoir beaucoup d'avis. Mais nous sommes heureux quand tu effaces nos transgressions et nos péchés. Nous sommes venus nous humilier devant toi, Seigneur. Parce que le diacre Tony, dans cette vision-là, il est parti voir le prophète Branham, il lui demandant de le chemin vers le ciel. William Branham ne lui a pas dit que c'est moi le chemin vers le ciel. Il a dit au diacre Tony Isabelle, comme tu cherches le chemin du ciel, regarde sur la terre. Il y a des empreintes de pieds ensanglantées. Ces empreintes-là, c'est de l'homme de Galilée. Ces empreintes-là, c'est de l'homme de Dom. Ces empreintes-là, c'est de bon samaritain. Ces empreintes-là, ce sont les empreintes du Dieu miséricordieux. Dieu qui inverse la situation. Les dieux forts et puissants. Les dieux plus que les idoles, plus fort que les les dieux grands forts, les dieux du ciel. Oh grand Dieu. Où es-tu dans les dieux de Branham? Parce que Job, dans sa souffrance, si je pouvais connaître la porte, j'aurais toqué à sa porte. Oh, grand Dieu d'amour. Les dieux trois fois saints. Écris nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Sur cette terre, nous n'avons jamais été heureux. Nous avons souffert depuis nos ancêtres. Que nous puissions quand même nous réjouir avec toi. Oh, ouvre-nous la porte du ciel. Nous voulons nous reposer avec toi. Sur cette terre, nous ne nous reposons pas. Sur cette terre, il n'y a que souffrance. Sur cette terre, il n'y a pas de repos. Il y a plus de méchants. Les gens s'entretuent. Il y a beaucoup de gens. Oh Dieu. Sur cette terre, il n'y a rien de bon. Mais sauve nos âmes ce matin. Je suis du haut de cette chair avec ces filets que tu m'as donné. Je vais lancer ces filets ce matin pour attraper quelques poissons. Je n'ai pas besoin de grenouilles. Je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de serpents dans ces filets. Mais je suis venu pour pêcher les poissons. Les âmes, l'épouse de du temps de la fin. Je crois que Seigneur, tu m'as écouté et tu vas m'exaucer. Je suis un homme, je ne connais rien. Je ne suis même pas plus intelligent pour me tenir du haut de cette chair. Mais dans les minutes que toi tu vas m'accorder, toi-même parle droit au cœur de cette épouse pour qu'il soit sauvé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous devez naître de nouveau. Un ordre. Une recommandation. C'est obligatoire. Qu'on le veuille ou pas. Vous devez naître de nouveau. Quelqu'un parle avec Frère Branham, il lui dit, toi tu ne connais pas la Bible, Frère Branham. Branham dit oui, monsieur. Branham dit oui, monsieur. Je ne connais pas la Bible. Mais je connais l'auteur. Ce n'est pas connaître la Bible qui compte.
Kingu kwata mifundi ya mu Biblia ku Genèse toni ku bwa kabulu bi mushinga to. Mais connaître l'auteur de la Bible. Kaji kumanya fukya mukele mwene Bible mwina. Si vous avez le message en tête par cœur, nene bakwata mukenju mu mutu et que vous ignorez l'auteur du message, nene kubenga kumanya mwena mukenju fukya mukele wa mukenju, vous mourrez dans vos péchés. Uju fo mu pekatu yeba. Un autre est venu chez lui. Kampando kulo kwenda. Febanam. Mwantu banam. Je vais te vendre des assurances. Njumusu kukuhanisha bitaj sumasonas. Meda était là. Meda muso. Branham dit à cet agent de l'État. Mwantu banam mjuambi la mwenambu la matajani. Non, j'ai l'assurance. To. Meme ngajini sonas wanyi. Maintenant Meda le regarde. Pinje Meda jumu tangin. Quand Meda a regardé Branham, Meda tangina Branham. Branham a compris ce que Meda voulait dire. Branham kumva chifu Meda soko mwambili. Maintenant Branham redresse la chose. Pinje Branham pinje ujuji ajika chifu soko mwambili. Ujuji kokesh. Il dit à l'homme qui était devant lui. Ujuambila mwene bita jifu kumpala kwendene. J'ai l'assurance vie éternelle. Wanyi sonasu njinenda mwamoyu wa chendelele. Je suis déjà assuré. Mema ngajini wanyi sonasu kubianza. L'homme dit, mais ça, ça ne t'amènera pas au cimetière. Que mon toit comme habillé ni ni ouais parce que ça ni pas coucher ni pas coucher que n'endang. Branham dit. Branham joue en bas ni. Ce qui m'importe. Chini mushinga kundi même. Ce n'est pas comment je serai enterré. Kimbo akumanya mushindo kai wanji kabuto. Mais ce qui m'importe moi. Que chini mushinga kundi même ah. C'est de savoir si je vais sortir de la tombe. Mbo akumanya ni wanji kab. Ni pas tout comme nous qui t'amouigne. Ce n'est pas de savoir comment on va m'enterrer. Même si on dépose mon cercueil sur un vélo, on traverse la rivière Mouye pour aller me jeter là-bas. Ça m'importe peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Je sortirai de cette tombe qui est bien carrelée. Que les cercueils viennent de Kinshasa. Que cela vienne de Paris. Mais est-ce que tu vas sortir de la tombe? Est-ce que vous avez l'assurance vie éternelle? Les certificats et où? Les titres de propriété incontestable. Mukanda wa bwene chintu jika uijitontolola. L'héritage apostolique. Bumpiani bwa apostolo. Les droits de nes. Bukenju bwa bwana buta. Les token. Token. Est-ce que vous l'avez? Nenu kaji nendany. Je n'ai pas besoin d'être enterré avec des honneurs. Des cortèges et des cortèges. Je ne saurais même pas qu'il y a eu des cortèges. Même si on a un peu de temps, on a eu un peu de temps. 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 Il dit qu'un évangéliste éminent était parti dans les champs missionnaires. William Branham Jouambi, il a dit qu'il y a un peu de temps. Il a eu un peu. Il devrait rentrer chez lui. Il était à l'aéroport. La première fois que la cabine me rend un bon service. Les lunzambi a benéché ben mukasu bukanzembo bangenzi jichintu chimpa chajikem. On me dit d'enlever la veste. Bangambi invulongoche. Ka singikish. Nous vous voyez comment je fais. Fébanam dit que cet évangéliste-là, après avoir servi le Seigneur, ne soyez pas étonné. Aujourd'hui, je parle comme ça jusqu'à la fin. Alors, dit à l'aéroport, il y avait aussi une vedette de cinéma. Et l'évangéliste et cette vedette, tous sont entrés dans l'avion pour rentrer dans le même pays. Arrivé à l'aéroport chez eux,
Confie au l'homme de chez elle, il était accueilli, il y avait beaucoup de gens à l'aéroport pour accueillir cette vedette-là. Il y a Mais pauvre évangéliste, il n'y avait que sa petite épouse qui était venue l'attendre à l'aéroport. Kofi Olomide rentre. Kofi Olomide walukila. DCP rentre aussi. DCP walukila hen. À l'aéroport, il n'y avait que Mwambu Issel. Bafiko kuchihalu. Kuchihalu ba DCP an Mwambu yuendanga yen. Mais Kofi, il y avait des rameaux, des fleurs, des gens. Alors l'évangéliste était triste. Seigneur, je viens de te servir. Personne à l'aéroport pour m'accueillir, sauf ma femme. Ça, je pouvais crier, mais je ne crie pas. Brana m'a dit. Ne t'en fais pas, cher évangéliste. Quand tu vas traverser la rivière, il y aura une cohorte d'anges. Tu seras accueilli par une cohorte d'anges. Avec des fleurs. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Mon frère. Ma soeur. Y aura-t-il des anges à la rivière pour t'accueillir? Tu étais renommé sur la terre. Tous les tabernacles de Mujuma te connaissaient. Mais est-ce qu'il y aura une cohorte d'anges à la rivière pour t'accueillir? Qui te fera traverser la rivière? Qui? Nen. Là, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de diacre. Il n'y a pas de juridiction là-bas. Tu es venu au monde seul. Tu retourneras seul. Tu vas retourner seul. Mais qui va te faire traverser la rivière? Ne vous en faites pas, je suis bien concentré pour parler calmement comme ça. Ne vous en faites pas. Les dimanches passés, j'avais lu cette déclaration précipitamment. Comme je faisais la course à la montre, je vais la relire ce matin. Christ est le mystère de Dieu révélé. Je vais respecter l'heure. Je parlerai mercredi, je parlerai jeudi et vendredi nous allons procéder à l'imposition des mains. J'ai tout le temps de parler. Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 522. Notre chef à nous est au ciel. Ça, c'est le prophète qui parle. Mon prophète, je ne m'en irai pas à Rome. Même si tu as couillé, je m'en irai au ciel. Quand je mourrai, je m'en irai au ciel. Quand je mourrai, voyez, le chef est au ciel. Chef est du Mujulu. Ne suivez pas les séducteurs. Surtout nous, les CFZ4, nous répondrons devant Dieu. Pour chercher la gloire, on déforme le message de l'ange.
Branham était chef dans la sixième dimension. Branham vos chefs mchauchi sambom. C'est Jésus qui avait fait de lui chef dans la sixième dimension. Vous moins chef. Et quand il arrive dans la sixième dimension, il a demandé qui est Kukong. Où est Jésus? Yes, où est-ce? Jésus n'était pas dans la sixième dimension. Yes. On lui a dit il n'est pas ici. Il est un peu plus haut. Dans la septième dimension. Et à sa seconde venue, la sixième dimension sera supprimée. Les chefferies de Branham se limitent dans la sixième dimension. Chef wa William Branham mbushikijile mu chao chisambo et lui le messager ni yeye ntumanga et les laïcs ni benakuita bush quitteront la sixième dimension ni bumbuko mu chao chisambo mbwachi pour aller dans la dimension où habite Jésus wa kuye mu chao chiji Yesu msombela et dans cette dimension là le chef chef wa boss l'unique nga yenda c'est Jésus Christ Yesu Kristo. Les chefs de Branham, chef Niwa Branham, chef de Paul, chef Niwa Paul, René, chef Niwa Irene, Colomba, wa Colomba, Martin, wa Martin, Luther, wa Luther. Voici leur chef, chef wa Bunyau, l'unique adorable. Ngaye waji kukwila. Non, aujourd'hui je l'exalte pas, je risque de crier. Je parle seulement de lui. Le mari capable. Le plus beau d'entre 10 000. Le Dieu de la création. Le Dieu redoutable. Quand il parle, la terre tremble. C'est lui qui a amené toutes choses à l'existence. Qu'on ne vous montre pas un autre chef. Paul dit, Paul, si quelqu'un d'autre vient vous dire le contraire de ce que moi, Paul, j'ai dit, qu'il soit maudit. Et Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Si toi tu nous montres un autre chef, nous avons le droit de te maudire. Alors c'est ce chef qui a donné l'ordre à Nicodème. Vous voulez régner avec moi? Change ta nature. Naissez de nouveau. Si vous voulez venir là où je suis, voilà la voie que j'ai tracée. Branham a suivi ces conseils-là. Je vous lis ce matin, Branham en train de chercher le Saint-Esprit. Lorsque je mourrai, je n'irai pas à Rome. J'irai au ciel. Mais Jésus n'a pas parlé comme ça. Il a dit aux Juifs, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je le reconstruis. Jésus n'était pas enterré pour toujours. Il n'a jamais tenu les services funèbres. Jamais. Le frère Branham a prêché plusieurs fois devant les cadavres et on est allé les enterrer. Si jusqu'à ce matin, vous ne savez pas distinguer le créateur, le rédempteur, le sauveur, avec les septième messagers, les prophètes, mon prophète, les sauveurs, où tu vous bas souigner là, celui-ci sauveur, et l'autre sauveur, vous ne pouvez pas les égaler. Vous avez besoin d'être amené dans les asiles des fous. Vous avez perdu la terre.
Nous avons un seul chef. Chef, tu dis nenda umwehela. Moïse vous a dit. Moi, ça m'a dit. Mais moi, je vous dis. Même Dino Ambil. Jérémie a dit. Yelemie moi. Mais moi, je vous dis. T'as dit même Nyangam. Les décideurs. Mwanga chua mahanga jika. Si il ferme. Yemukang. Personne n'ouvre. Kakwena waka ngulato. Si il ouvre. Yemukangula. Personne ne ferme. Kakwena waka ngato. Si dans son plan. Il avait arrêté qu'un jour il va vous élever. Même si tous les sorciers des chansons s'équalisent. Le Dieu de Moïse. Zambi wa Mosa. Il dit la vie et la mort se retrouvent entre ma main. C'est lui qui doit décider sur ta vie. Et c'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons aimer. Tabernacle de Mujimai. Voici le chef à qui il faut apporter les dîmes et les offrandes. Chef, venez dans ce parvis avec crainte et respect. Loi mumbalanda wende nijichina nikane mukavule. Bonjour chef. Chef nyatukusegelel. Il a fait de nous des ambassadeurs. Mutwenza tetu bamule balechi bampala wende. C'est ce chef qui a fait de toi pasteur. Lui c'est chef ici. Chef wewe. Il a fait de toi évangéliste. Il a fait de toi prophète. C'est lui qui t'a donné le souffle pour que tu puisses chanter ce matin. Saint-Pierre Dibouet, tes prières sont arrivées au trône. Saint-Pierre dit bon, tu ne vois pas cette maîtrise ici. Terrible. Oh, que Dieu bénisse Saint-Pierre Djibouin. Saint-Pierre Djibouin. Un homme pied. Mon toi tu gis là. Un vieux bien. Un vieux bien. Qu'est-ce que c'est? Je suis la même brochure par exemple. Qu'est-ce que c'est? Pas ces gens. Qui m'bant toi? Les chefs et les corps sont devenus un. Ni chef, ni mubiji, mbilo chintuchum. C'est Dieu manifesté dans son peuple. Nzambi muji mweshi hato kamuchi samba chenda. C'est pour ça que les maris et la femme ne sont plus deux. Kichi jichenze ni mulumu ni muka jikaba chenda banto babijito. Ils sont un. Mbalo muntu umu. Dieu et son église sont un. Christ en vous. La grande révélation de Dieu. Gloire à Dieu. Portant même son nom. Écoutez. Son nom est Jésus. C'est ça le nom de notre chef. Au tabernacle, nous n'avons pas de chef. Et notre chef s'appelle Jésus. C'est lui qui nous a appelés de l'Est à l'Ouest. C'est lui qui nous a appelés pour que nous puissions devenir un avec lui. Il dit à la Samaritaine, ne t'en fais pas femme. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs, des véritables adorateurs, vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et frère Branham dit, personne
Personne n'a le droit de venir ici chanter, ici. Sans le Saint-Esprit, ne montez pas ici. C'est l'ordre du chef. Personne n'a le droit de venir se tenir ici sans le Saint-Esprit. Non, monsieur. Tom, le chef refuse. Chef Ujubenga. Si vous n'êtes pas encore régénéré. Si vous n'êtes pas encore scellé. Vous n'avez pas le droit de chanter. Les chants c'est pour les vainqueurs. Vous n'êtes pas vainqueur tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes vaincu. How do you sombre moi bout du musomba queen in yumu mwimpa? Umvo ni kwena mwaji kwikala muchimunyito. Mais toi, where would you muchimuna? Tu es vaincu. Où du muchimun? Comment tu viens ici chanter, danser? Mbia kumvish, oui mana mwabe wim. Comment? Toi tu es vaincu. Nyao tu musieke la hanche. Tu n'as pas la victoire. Kone muchimunyito? S'il faut insulter, tu insultes. Dieu bi kangela kula kula bula kubwa toka. S'il faut t'emporter, tu t'emportes même en public. Tu ne te gênes pas? Dieu dit qu'il y a un monde où il y a un petit jour 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 où il y a un petit jour. Par le septième messager. Kujintumanga wa mwanda mutekete. Regarde là en bas. Tangina mwishmo. Il y a les traces de pieds. Kujibijachi jibi amakasa. C'est ce que moi, Branham, j'ai suivi. Ndiji mema Branham mulonda hanyi. C'est ce que tu dois suivre aussi. Kibi uji hebe ncha kulonda. Et maintenant, tu dois marcher seul. Marche seul. Mais regarde tes pieds à toi. La semaine qui vient d'achever. Les mois de mars qui vient de s'achever. Ils étaient où? Ils étaient où tes pieds? On a prié il y a longtemps. Ces histoires de prières traînent. On m'a dit qu'il y a une femme à Kabo ici, si tu fais des choses, tu comptes 10 000 dollars. 10 000 dollars, c'est quoi? Et le lutato. Tu perds ton âme à cause de 10 000 dollars. 10 000 dollars, c'est quoi? Et le lutato. L'oise boulonto mouchanda. Balami basambi, toni pasto wasambi. Tchenu monan zambi, un pomo kototo. Nanjin tahila kokabueko. Bangambili babenza no tuntunaka chana, na kimbo angato. Bokwenzela no tuntunaka. Mpeta falang binunujuku. Binunujuku mi biando lanchin weheb. Est-ce que les pieds là ont suivi les traces de Jésus? Okaboko du Mouyaku. Mouchila Moufoubijati Biamakasa, yes. Frère, Manet, Joseph était seul en Égypte. Joseph, ou Vonga Yen de Mouégypte. Dans la maison de Potiphar, seul. Mouzoubouwa Potiphar, Gayenda. Pas de pasteur. Kako yim pasteur, Mouamoto. Pas de Jack. Kako yim Lemimoto. Pas de juridiction. Kako yim Bibito, Bikosto Lamoto. La femme de Potiphar l'a entraîné dans la maison. Moi, je vois Potiphar comme Hulu Monomonzo. Joseph n'a pas courtisé cette femme. Joseph, qui mouba en ambition, moi, c'est la femme. Kadi mouka, je vous mouba. C'est elle. Yeya. Kouakabang. Animé par l'esprit de Maha. Ni moukishua. Nyoka wakala mumuikil. Joseph Diebo. Joseph Diebo. Chéri. Elle a oublié son chéri. Elle appelle un serviteur de Dieu ou un chéri. Yeye kuhomoi chéri wenda. Utangi na mulaba wanzambi. Ulo bébé wenda. Comme tes petites filles salent dans la rue si vous appelez chéri. Et pourtant votre chéri reste à la maison. Et vous acceptez que vous êtes chéri. Oui, oui, nous sommes moi betun songa que je toi mon banzem. Toi manyan, toi hanga mal. Kubik le wewe chéri, bébé wine, wewe hebe witab, hebe mouche wewe hambel. Tu as 50 ans, une fille de 18 ans t'appelle bébé, tu acceptes. Est-ce que tu n'es pas malade? Nimvu la makumi atano. Est-ce que tu n'es pas malade? Wewe, nimvu la makumi atano, tatu mkol. Kanaka abaka jikateke tkanvule, jugu mwanda mkola kakubik le ni bébé wine, hebe uteke shumutu. Wewe, ujusama. Kinaka kuja dolaru, hotro mbe ja 100 dolaru bu. Quand
ni mala du koko balamu ni mala ka un jugement mumite. Toi, comme un fou, comme un malade, tu commences à sortir les billets de $100, tu commences à donner à cette fille-là. Cet argent-là pour lequel on a prié, jeûné, prié, tu commences à dépenser ça de cette manière-là, dans des endroits sales qui ne sont même pas présentables. Joseph a dit à la femme de Potiphar, je ne suis pas ton chéri. Qui Joseph a dit à Potiphar, même tu es chéri, il a fui cette femme. Et a laissé sa tunique à la femme. Oh, Jacques, vous voyez au service. Voyez, c'est elle qui m'a séduite. C'est elle qui a commencé. Même si elle est en train de se faire, elle venez prendre les seaux dans votre âme. Viens te faire vacciner. Comme Joseph avait la robe à cette couleur. Joseph, sur cette robe, il y a la couleur bleue. Abraham dit que bleu c'est la fidélité. Cette couleur s'est imposée sur la robe. Cette vertu s'est imposée en Joseph. Non Joseph. Non Joseph. Ne fais pas ça. Tu es saint. Tu es un sacrificateur. Tu es prophète. Tu appartiens à Jésus. Joseph ne fait pas Joseph. Ça. Comment toi tu prétends avoir le Saint-Esprit, mais il est calme. Il est calme. Le Saint-Esprit calme. Je suis tombé. Et quand tu vois que les frères t'ont vu, pour les intimider, tu changes les humeurs. Pourquoi qu'on ne puisse pas t'aborder? Ne t'en fais pas. Rendez-vous à la rivière. Ne t'en fais pas. Tu peux nous intimider, mais tu n'intimideras pas la mort. Ne t'en fais pas. Rendez-vous à la rivière. Qui te fera traverser la rivière? Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Et si nous sommes croyants de Branham, soyons les imitateurs de Branham. Venez avec moi et voyons ce qu'il va faire ici, le prophète. La cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. 3 avril 53. 184. J'ai besoin de votre attention. Les rythmes ont changé. N'attendez pas voir quelqu'un qui va encore crier. C'est ça toute ma prédication. Oh, je sais combien c'était dire ce soir-là. Ça, c'est Branham qui parle. Quand je suis entré là-bas, dans cette vieille petite mission des gens de couleur, et tous les blancs qui étaient là tout autour disaient, voilà qu'il va dans une mission des gens de couleur. Branham a dit, c'était dit.
Si c'était dire pour Branham, c'est dire pour toi et pour moi. Parce qu'après ceci, tu seras obligé, obligatoirement, d'aller voir votre épouse et réparer avec lui. C'est dire d'appeler ton fils. C'est dire d'appeler ta fille. Et réparer avec elle. Si tu ne répares pas, tu maintiens ton rang. De mère. Jésus ne te donne pas le Saint-Esprit. Papa. Si tu n'appelles pas ta belle fille que tu avais insultée à la manière ancestrale, si tu n'arranges pas cela avec ta belle fille, tu meurs dans les péchés. Il n'y a pas de contour. Là où Marie et Joseph avaient laissé Jésus, c'est là qu'ils sont allés les rejoindre. Même si cette dette a déjà fait 20 ans, Branham dit, c'est écrit dans les livres de vie, payez. Si tu ne payes pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. Peu importe combien tu chantes ici. Peu importe combien je prêche ici. Le diaconat ne m'amènera jamais au ciel. Je n'irai pas au ciel parce que j'ai prêché. Non, monsieur. Si je ne me repens pas. Si je ne me rabaisse pas. Si je ne meurs pas. Si je ne pourris pas. Jésus ne descendra jamais. Il ne peut pas descendre dans un cœur inconverti. Jamais. Jésus ne peut pas descendre dans une fosse sceptique. Dans les cœurs pleins de commérage. Mépris. Arrogance, dédain, orgueil, tétitesse, sorcellerie, magie, tu te trompes. Judas est venu de l'enfer. C'est pourquoi il joue à l'église. Et c'est là qu'il est rentré. Toi, continue à jouer. Viens jeter des mauvais sorts ici. Temple, comme nous avons construit pour toi ce temple, c'est pour que toi tu viennes ensorceler les gens. Tu vas courir dans la tombe. Tu ne sortiras jamais de la tombe. Viens jouer à l'église. Jézabel jouait à l'église. Jézabel, vous n'avez rien de moi que l'église. Elle se maquillait, elle pouvait se dandiner, elle pouvait penser combien elle était belle. Ujifite bilabu, wasangendo endu sunzuk. Ujumvuni meme ki mulenga la kwa namu wabo. L'enfer l'attendait. Ngene mu mwinji la. Mais grâce soit rendue à Dieu. C'est ce qu'il nous a donné, un berger qui nous donne encore l'occasion de nous réconcilier avec Dieu. La repentance. Un profond regret. La restitution des biens volés. Tu sais que les diplômes que tu te réjouis là, tu y as triché. Aux examens d'État. Tricheur. Voleur. Les voleurs n'entreront point au ciel. C'est dur de t'arrêter aujourd'hui et appeler ta belle fille. Que tu ne faisais que mépriser. Bébé, c'est l'abraï qui ban. Ou du moins, c'est l'abraï qui ban. Tes filles sont prises en mariage, là c'est normal, c'est bien. Mais l'épouse de ton propre fils, là tu ne la considères pas. Bah ouais, maman, le monde,
Toi, ma mère, tu veux que je puisse épouser une fille dans ton goût? Qui épouse? C'est moi ou c'est toi? Je ne suis pas contre les conseils. Je ne suis pas contre les conseils. Tu peux dire, mon fils, quand tu vas grandir, épouse une fille chrétienne, une fille de Dieu, ainsi de suite. Né de nouveau. Mais pas venir choisir, non, toi, mon fils, seulement celle-ci. Non? Maman, nous voyons comment vous faites photographier avec les pasteurs ici. Comment vous donnez vos filles au mariage? Moban, si tu regardes tout le monde, je suis en train de faire des photos. 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 Où est le cheval de Baba? Vous savez que votre fille, là, son mari, peut manier son téléphone. Où est-ce que vous avez? Pardon? Où est-ce que vous avez un téléphone? Où est-ce que téléphone? Où est-ce que vous avez un téléphone? Où est-ce que vous avez un téléphone? Dans les téléphones de ta fille, même 10 appels de maman. Toi, pourquoi tu l'appelles tous les jours maman, maman, dans le téléphone? Dans le téléphone de ta fille, oh, on trouve par jour même 10 appels ou plus qui proviennent de toi. Où est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as fait? Ma fille, qu'on t'importune pas, qu'on ne te marche pas sur les pieds, qu'on ne se joue pas de toi. Qu'on ne se joue pas de toi. Qui va se jouer de ta fille? C'est moi qui l'ai épousée ou c'est quelqu'un d'autre? Regarde comment tu places une discorde dans un foyer. Tu l'entêtes, elle devient têtue, elle commence à me répondre devant les gens. Maintenant, moi aussi, pour garder le rang du chef, je la chasse. Oh, Jacques, on a chassé ma fille. Tu l'as entêté? Ouais, ni mibelu ye bayi, nya o muhaye mukishwa mutu mukola. Mukisha u wimita, ukajunga ndomne ni kumpala kwa bantu. Meme hanye kabisha jijimwanyi, nji chef, alevunga bisaka bia bahinga na mwenye. Wenye bangye jijimwanyi kujibaka. Écoutez les témoignages du prophète. Télé jaye bu jadige wa mu prophète. C'était dit. Bifu bikola. Je suis entré là-bas avec à moi beaucoup de fierté du Kentucky. Même ku boela mu kampo nyaku ni malela bunya ku Kentucky. Comme cela. Mushindo. Mais Dieu a dit. Nzambi kwamba ni. Dieu dit au prophète. Nzambi kwambele mu prophète. Si tu désires le Saint-Esprit. Wewe ujingila mu nyumu mwimpo. Entre tout droit là. Wewe boela mu kampo nyaka. Branamdi. Branam jambe ne. Je suis entré tout droit là. Même kubuela mu kampo nyako. Et je me suis agenouillé à l'hôtel. Même ku yekato binu. Je suis resté là. Même ku shala munda. Jusqu'à ce que l'agneau. Toni halmana mukoko. Écoutez. Télé-jai. Je suis mort à mon vieil homme Billy Branham il y a 20 ans. Nji mouri. Nji mufwa. Mubol. Ki muntwani wa kala kala. Billy Branham. Dieu n'a pas dit. Zambi ki kafumambane. Toi, je t'ai fait grâce. Branham wa ya yenyu mkwenze la ngasi. Je suis né au mois d'avril. J'ai permis que tu sois aussi né au mois d'avril. Même Yesu mleji bo mungondo mwina ici. Nyu mkwenze bwanyu yeleji bo mungondo mwina. Lorsque je suis venu au monde, la colonne de feu descendit. Jeba jimfu mleji bo jikonja chaka jivujwe. Quand je t'ai envoyé aussi, j'ai laissé la colonne de feu descendre. Hanga butu muheba. D'ailleurs, j'étais commissionnaire. D'ailleurs, tu n'as pas fumé, tu n'as pas bu. Tu peux entrer. Toi, tu as tourné les dos aux gens, tu as fait des miracles. Dieu n'a pas dit ça. Ça, c'était seulement les dons. Mais la condition pour arriver là où se trouve le chef. Nicodème, tu veux venir là où je suis? Mourez. Branham dit, je suis mort à mon vieil homme Billy. Mourir. Faire par
partir de cette vie de cochon. Avoir la vie de l'agneau. Pas un vieux loup. Nous venons de l'est à l'ouest pour mourir. Mourir au coutume ancestral. Même si on ne peut jamais se jouer de moi. Tu vas certainement mourir. Avec l'esprit de Kabakantanda, tu vas mourir. Tu vas aller en enfer et se perdre pour de bon. Ici, les coutumes ancestrales, ici. Il est le Biabangam. Non. Mouabe. Ah, ici, voici notre constitution. Mikenji Mikulu, Yahetwa Kyoye. Irrévocable. Eh, y'a quoi, nous chindo, oui, ton tolo la to. La constitution éternel. Mikenji Mikulu Yachendelel. Ainsi dit le Seigneur. Meya Mukalenga. C'est ça notre constitution. Kimikenji Mikulu Yitujinaï. Parce qu'on a arrêté au village. Kimikenji Yakumisukuyetu. Ceux qui ont décidé au village là sont dans la tombe. Je ne peux pas suivre ça. Bio Bimena, Bajibante Mikenji Yakuenuab, Baka Bafu. Dieu m'a dit, si tu veux avoir cela, entre là-bas. C'est là qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Ne dénigrez pas ces noirs-là. Je suis avec eux. Entre là-bas. Branham a dit, je suis entré, je me suis agenouillé. Toi, tu refuses de t'agenouiller, pourquoi? Pour le juste la sûre, ce que tu as ici. Quand tu es juste en train de bouger les contacts. Pour que tout le monde voie. Branham a fait le tour du monde 7 fois. Branham, on lui a offert l'échec de $1,500,000. Bon, il a refusé. Voilà $1,500,000. Dis, je ne suis pas venu pour ça. Et toi, tu refuses d'agenouiller pourquoi? Tu as combien de vestes? Ici, il y a la distribution des robes. Les robes éternelles. Et les papas et les mamans. Jeunes filles, jeunes garçons. La distribution est gratuite. Décidez-vous si frère Branham la gerbe que Dieu a puissamment agitée pour être admise au ciel, Dieu lui exige la repentance. Venir à l'hôtel et rester jusqu'à ce que cette nature parte. Le berger a dit que l'ancien temple est ouvert. Il a dit à notre président Georges qu'aujourd'hui, après qu'on organise les services de baptême, que tous les diacres restent pour baptiser. Moi, le président Georges Boigny, l'aile, Wadjalmin, Hadjimasanche, toi, Jik. Et les visiteurs et les anciens qui ne sont pas baptisés, prenez votre baptême pour entrer dans le programme de mercredi. Faisons la remise reprise avec Satan. Tu m'as menti il y a longtemps, Satan, avec cette vie. Prends tes colis. Moi, j'appartiens à Jésus.
J'ai dédaigné longtemps les enfants de Dieu. Mon travail, c'est de parler à mal aux serviteurs de Dieu. Oh frère, c'est frère beau qu'il est, mais une femme de ce genre. Ça. Et quand vous rencontrez cette sœur, la maman ou comme elle me regarde, ma sœur. Hypocrite. Vous n'entrerez pas au ciel. Après l'avoir méprisé, maintenant tu la salues gaiement. Bonjour ma soeur. Lorsque tu vois une soeur grasse, peut-être que son mari est de petite taille. Toi tu conclus directement. Et où je ne dis pas mon il s'est laissé avec sa taille ici. Non, sa femme le tironnait. La Bible dit, Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune. Ne dites pas une mauvaise parole. Mukana mwebam. Kamu hatuku jiyijibi nashi jumu. Jiyijibi nashi jumu. Yelaka jatuku mukana mwebam. Ne méprisez personne sur la terre. Ne méprisez personne. Ne mwujamu kujombo jumu ntobulo bato. Parce que tu ne sais pas qui va t'aider un jour. Ne méprisez personne sur la terre. C'est Dieu qui détient le futur. Tout homme est important sur la terre. Important. Les mois de mars, si j'étais sur la moto, suis arrivé à un endroit où je ne savais pas me maîtriser. J'étais projeté par terre. Et ma jambe ici était bloquée. Je ne savais pas me lever. J'étais par terre. Comme le diable perd toujours son temps, il pense qu'il va éliminer les enfants de Dieu. Il perd son temps. On voit une bande de banzambi au bout du lume en avance. Un petit enfant comme ça qui vendait dans un conteneur est venu vite me soulever. T'as dit ouais le conjoint là, qui monte mon lume pour toi? C'est un gars de catégorie, catégorie pour avoir un conteneur. Qui a le conjoint pour lui choper mon conjoint? Tu ne sais pas qui va t'aider, qui peut t'aider? Les gens qui ont des armes. Bon, le point de moment où on voulu chez toi. Peut-être tu regardes le véhicule que ton mari a. Mais mes amis, quand tu m'as annoncé un jour, tu regardes la clôture. Mes amis, quand tu t'as annoncé un jour, tu n'as pas la clôture. Mais Dieu, quand il zambi, peut vous laisser dans la confusion. Ou du moins, quand vous lequel le mutibu est chez lui. À 2 heures du matin, mon Dieu, il vient. J'étais foutu. Mon épouse appelle le docteur Marlin, le docteur de ma famille. Le docteur Marlin, docteur Wajigujani. Le docteur appelle un autre frère qui n'est pas encore au tabernacle. Docteur, Ubiki, le moine est Mukwabo. Où tu as eu le tabernacle, moi, Le frère est venu à 2 heures avec son véhicule prendre le docteur et venir me prendre pour m'amener à l'hôpital. Nous avons fait des choses en Badian. Qui a tout le twin? Moine est au Joujouka. Où tu as eu le docteur Mouen? Balomouane, il va le congambule. Mais si j'avais des rancunes avec ce frère-là, toi tu ne pries pas au tabernacle de Jumaï. Toi tu es déjà perdu. Vous décidez si les enfants de Dieu. Donc la communion c'est seulement ceux qui sont au tabernacle. Est-ce que Dieu connaît le tabernacle? Qui a déjà suivi dans le discernement Branham dire à quelqu'un tu viens d'une mauvaise église? Qui? Cela sont du canard, nous ne prions pas avec eux. Ce sont nos sœurs. Ce sont nos frères. Revenons à nous-mêmes ce matin. Toi, je toi, lequel est mon gendarme. Revoyez d'où vous venez. Et la réussite que vous avez jusqu'à ce matin. Est-ce que c'est à cause de ta famille? Non. C'est à cause des enfants de Dieu ici.
Et pourtant, ton père et ta mère sont là, les frères sont là. Kajabi, tato ya beni mamweb, si ba jikoko. Bana beni, si ba mumbidien ba jikoko. Ma soeur. Moi, neto abakash. Vous pensez que nous venons les matins, les soirs, à midi, sous la pluie, pour aller en enfer? Nous disons que nous sommes ici, tout le monde est là. Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Satan vous a donné un grand travail. Satan, il vous a donné un grand travail. Satan, je crois que nous sommes ici. De compter les habits que cette sœur la porte. Nous sommes ici, nous sommes ici. Bon, quand le budget est là, mais puis moi, nous avons besoin de couvrir. Ça, c'est quel travail? Ah, mon Dieu, mon gars, on dit que je suis tout le bilan, mais puis il y a les mêmes souvenirs que nous. Mais ça, c'est quel travail? Ah, mon Dieu, mon gars, moi, na wa wa manyan. Ça, c'est quel travail? Ce jour-là, il a porté tel habit. Aujourd'hui, il a porté. Ah, mon Dieu, mon gars, j'ai appris que tu as chené passé. J'ai appris. Du moins, vous l'ouvrez à apprendre. Du moins, vous l'ouvrez. Ça, c'est quel travail? Oh, mon Dieu, mon gars, j'ai pas matché wa. À chaque fois, bien j'ai manié, bien j'ai manié. Fais maintenant prier. Jésus dans le message, c'est par la foi que Moïse. Frère, prier. Et maintenant, nous aimerions te demander, Seigneur, de nous pardonner toute erreur. Je commence à énumérer ces erreurs là. Tout péché d'offense. Tout péché d'omission. Omettre quelque chose, c'est un péché. Omettre. Je donnerai ça à Dieu. Je ferai ceci. Je donnerai cela à cette soeur. Maintenant, tu n'as pas refusé. Tu as oublié. Branham dit l'oubli là, c'est un péché. Comprenez à quel point l'épouse est appelée à la sainteté. L'oubli. Pardonne l'erreur de transgression. Écoutez, toute mauvaise pensée qui traverse nos âmes par les traits enflammés du diable. Mauvaise pensée. Mauvaise pensée. Mauvaise pensée. Dans votre âme, vous pensez en mal. Que ce frère là chute. Livelle. Mauvaise pensée. Des jeunes filles, mauvaise pensée. Contrôlez vos pensées, vous, des jeunes gens. J'ai parlé de Joseph. Mais laissez-moi vous parler d'une fille qui était à l'internat dont parle le prophète. Loin de ses parents. Loin de la maison de son père. Dans un autre pays. À l'internat. Et chaque week-end, tous ses collègues devraient aller dans une boîte de nuit. À côté de cet internat, Branham dit qu'il y avait une petite montagne. Oh, j'ai envie de crier. Une petite montagne. Le Dieu de la montagne. Alors le concierge a remarqué cette fille étudiante. Quand les autres descendaient dans la boîte de nuit, elle grimpait
grimpait la montagne et s'assoit au-dessus, au sommet, regardant vers chez eux. Le concierge a remarqué une fois, deux fois, septième samedi, huitième, neuvième. Ma fille, je vais te poser la question. Tu n'es pas comme les autres filles. Chaque week-end, je te vois au sommet de cette montagne. Tu n'as pas envie de te réjouir comme les autres? Non, monsieur. Le côté où tu me vois regarder, il y a un pays. Dans cet pays, il y a une famille. Dans cette famille, il y a un garçon. Je lui ai fait mon vœu. Dans cette ville-là, dans la cité de Bethléem, il y a un gentleman de 33 ans qui a accepté d'être déshabillé. Sur qui on a craché. Sur la tête de quel était posée la couronne d'épines. Un gentleman de 33 ans. Dans ce pays-là, je lui ai fait ma promesse. Je lui ai fait un vœu. Est-ce que tu gardes le vœu que tu as fait à Jésus? Oh, j'ai oublié. J'ai dit ce matin, tu as péché. Va réparer ça. Les péchés d'omission, de transgression, de mauvaises pensées. Je ne parle pas de fumer, boire et l'adultère. Non, ça c'était raté. Même si nous avons dit, mauvaises pensées, la convoitise, c'est un péché. Cela est bien, hein? Ouais. Tu sers, tu as bien, hein? Tu es malade. Cette regarde la croix. Belle, hein? Et c'est une belle sœur. Mouette. Ouais, ou du sama, ouais. T'as une kungulus. Regarde la croix. T'as une kungulus. Tu frère, tu dis ni moigne. A tout, tu sais quand on va bien, bébé. Ce frère-là, il a le diastème. Quand il rit, vraiment, je me sens bien. Non. Blé. Ta place est ici. Oui, bon, moi, bang. Une fille loin de ses parents. Mais tu tombes avec des hommes et tu reviens dans la maison de ton père, ici en Mujimaï, où il y a les diacres et les pasteurs. Tu tombes, tu reviens et le mercredi, tu y as à l'église. Vendredi, tu viens. Samedi, tu vas tomber. Dimanche, tu reviens. Si on dit que ce serait populaire, continuez, que vous auriez une meilleure position au travail. Vis-à-vis de votre patron, si vous prenez un petit verre amical, un petit verre avec les copains plutôt, quand tes collègues prendront la bière, quand le chef de service te dira, mais toi Henri, tu ne prends pas aussi la bière? Non chef. Toi chef. Mon chef m'a interdit. Chef wani munganjik. Compliqué-le. Ouais, tu l'appelles chef? Mubi qui le chef? Non.
je ne prends pas. Pourquoi? Watching. Mon chef m'a interdit. Walu chef wany munganjik. Mais tu as combien de chefs? Toi, tu es mon chef au service. Mais c'est lui qui m'a créé et mon premier chef. Je ne peux pas prendre un verre. Même si je ne monte pas de promotion. Un jour, je monterai au ciel. Je ne peux pas monter de promotion. Je vais monter au ciel. Si vous prenez un petit verre avec les copains, si vous fumiez une cigarette comme les autres femmes, vous seriez plus sociable dans notre quartier. Qui a déjà vu le président de la République de n'importe quel pays fumer en public? Qui a déjà vu? C'est ça? Toi, notre frère, tes doigts là sont déjà même brûlés à cause de l'excès de fumée. Lorsque vous allez fumer, levez les yeux et regardez celui qui a dit, si vous suivez le corps, je les détruirai. Même, je les errerai. Même Nini Shimbula. Je les détruirai. Nini Shimbula. Continue à fumer. Continue à boire. Jésus va détruire ses corps. Yes, Nini Shimbula. Oh non, on n'a pas interdit la cigarette. Mal. Donnez-moi la citation. Est-ce qu'on a refusé de boire? Donner la situation. L'ange a dit à notre prophète. Moi, je loue, moi, je le mot prophète, tu dis ta bouche. Ne fume pas. Branam, ne bois pas. Kunumala, to. Ne suis pas ton corps avec des femmes. Ne suis pas ton corps. Branam, kukoye, shumubiji web, ni bakajito. Kukoye, shumubiji web, to. L'ange interdit au prophète. Pinje, moi, je le kanjou mon prophète. Il vous autorise, vous, à le faire. Ouais, ou du moment où il t'a bougé, l'eau, quoi, nishina. Qu'il y ait des problèmes sous la main, dont je suis paragraphe 33, la même brochure. Qu'il y ait des problèmes sous la main. Qu'il y ait des problèmes dans les pays. Qu'il y ait des problèmes dans l'église. Qu'il y ait des problèmes à la maison. Où que ce soit, mais vous faites votre choix. Ne suivez pas les mouvements de la maison. Et beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui vous accrochez à ce vieux credo formaliste et autres. Vous ne voyez pas la délinquance juvénile et la destruction de vos enfants? Vous ne voyez pas votre fille dans une maison de prostitution? Est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas votre fils ivrogne? Vous ne voyez pas? C'est comme ça qu'il faut réprimander. Mukuma, prenez le fouet, donnez, même s'il est à Chikam. Fouettez-le. Mon fils Kalala, je te parle pour la boisson. Tu es toujours têtu. Qui est? C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'il faut réprimander. Il faut réprimander de tout, de réprimander ici, il faut fouetter, même s'il est à Chikam. Branham, vous ne voyez pas votre fils se prostituer. Est-ce que vous n'êtes pas informé?
Lorsqu'il s'enivre là, est-ce que vous n'êtes pas informé? Vous sentez l'odeur de la bière sur votre fils. Qu'est-ce que vous faites? Oui, watatu. Mwane bao. Kwenu mumo na juna malo kwa chika. Nashu muhu yu amalo kutumfu wako na muhu yu amalo mununga. La parole est... Wenji chini. La parole est faillible de Dieu. Jiji, kajiji, haileja ansambi. 6 avril 56. Jamatu kwa sambo mkundu mwina chiju mchama kumia tani chisambo. 41. Kasumbu kamilo kama kumia nani kama. Vous allez dire. Yunu ambeni. J'ai été préoccupé par les frais à payer pour la maison. Même du fou, Dieu m'a dit, je fous, pour l'instruction. Pour l'instruction de mes enfants. Branham dit, c'est légitime, mon frère. C'est une bonne chose. Mais il dit, cela n'a rien à voir avec votre salut éternel. Oh, j'ai adhéré à l'église, frère Branham. Mais cela n'a rien à voir avec votre salut. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un d'adhérer à une église. Non. Mais vous direz, pour ce qui est de la nouvelle naissance, eh bien, Jésus a dit, yes, si vous ne naissez de nouveau, vous n'entrerez point dans le royaume. Peu importe le nombre d'églises dont vous êtes membre. Peu importe combien vous êtes bon. Combien vous avez contribué pour l'église. Peu importe combien vous avez amené les autres à l'église. Peu importe combien vous avez travaillé dur dans les cercles de l'église. Cela n'aura rien à voir avec la chose. D'ailleurs, il vous dira, je ne vous ai même jamais connu. Je chantais dans la chorale la voix. J'étais dans la chorale Luna. Moi, j'étais vase de la maison de Dieu. J'étais diacre l'hiver. Seigneur, je prêchais la parole. Cela n'a pas à faire avec le salut. Amen. Si un homme n'est né de nouveau d'eau et d'esprit, la bouche de Dieu dit, il n'entrera point dans les lieux. Même si vous chantez en anglais, même si vous prêchez en langue, même si vous ressuscitez les morts, la seule voie tracée par Dieu, c'est la nouvelle naissance. Frère Branham dit, un jour il était en Égypte. Il a remarqué un monsieur en train de partir avec les moutons, les chèvres derrière lui. Les cochons. Il a demandé au guide, cet homme-là, comment on l'appelle? Le guide lui dit, c'est un berger. Berger. Mais je vois des moutons, des boucs et des cochons. Le guide dit oui. Branham dit, dans la bergerie, il n'y a pas seulement des agneaux. Il y a même des cochons. Il y a des boucs. Il y a des serpents. Si tu es ici, serpent, tu vas rentrer en enfer. Si Satan t'a envoyé pour mordre,
pour mordre les enfants de Dieu. Tu peux réussir à le faire. Mais Jésus va t'écraser. Dans la bergerie du tabernacle de Mujimaï, il y a des cochons, il y a des boucs, il y a des chèvres, il y a des agneaux. Défendez votre couleur. Défendez votre couleur. Mourez à cette nature de cochon. Surnaturel, paragraphe 47. Frère Benam dit, un pécheur, c'est un cochon pour commencer. Peu importe ta chemise blanche que tu portes, livre. Si tu n'es pas né de nouveau, quand Dieu lui regarde, il voit un cochon. Même si tu portes les robes de $700, tu as un lit de 3,000 euros. Quand le grand Jéhovah regarde sur la terre, tant que tu n'as pas le sang de Jésus sur toi, il voit seulement une grenouille. Dieu a parlé aujourd'hui. Dieu a parlé. C'est la vérité, il a parlé. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? 18. Et l'évangile qui doit être prêché ne doit donc rien d'autre que pêcher à la Seine tous les poissons du lac. Evangelio jincha kuyishibwa mwa kuloba mujishiba ja mayi mishiha yonsu. Exactement. Comme l'a dit Jésus. Anu muji Yesu mwamba. Le royaume des cieux est bukalenga bwa mujulu buji. Pranam di. Pranam jwamba. A quoi sert-il donc de prêcher? Ni byambulisho bwa kuyishu kuchinyi. Un prédicateur a son rôle à jouer. Mwambi ujunyu wendo mujumu wajenze. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté son filet dans l'eau. Et qui l'a retiré. Eh bien, il y a tant de poissons dans les lacs. Et quand le dernier poisson est pris, c'est terminé. Un prédicateur ne fait que jeter le filet après quoi il tire. C'est ça que je suis en train de faire. J'ai jeté le filet. Mujimu wa muyish wa mwambi wa kwela kahamba pinjo bangukoka. Ki mujimu njingenze kishi njingenze mujindem. Dans ce grand filet, oui, continuez. La Bible enseigne qu'il prend tout. Mukahamba. Bible ju longe chini uju kwat bions. Il prend des araignées d'eau, des grenouilles, des serpents, des lézards, des tortues douces, des tétards et des poissons. C'est le message. Vous êtes une tortue ou un poisson? Regarde le nombre d'années que tu t'es exposé devant la lumière. Rien ne change. Tu te révoltes de la même manière qu'autrefois. Parce que moi je me fâche vite, hein. Moi, je ne supporte pas ça. Et tu gardes ça. Bientôt, le grand maître vient. Nous allons rentrer à la maison. N'essuyez pas vos lits, vous les jeunes mariés, avec des positions pornographiques. Ça, moi, je vous dis.
Respectez votre épouse, dit le prophète. Ne faites pas n'importe quoi. Oh, c'est ma femme. Mais c'est ta soeur. Repends-toi. Pour que tu sois sauvé. La libéralité n'a pas à faire avec le salut. Les dons de guérison, ça n'a pas à faire avec le salut. Il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Je cherchais le Saint-Esprit, je ne l'ai pas eu. Je vous réponds ce matin. C'est-à-dire, vous ne vous êtes pas encore repenti. Ce n'est pas facile de l'obtenir. Branham a dit que c'était dur pour lui. Vous devez réparer dans la honte. Mais si j'arrange ça, mais mon mariage, il y a un mari capable qui peut t'épouser. Et convaincre ton mari pour te pardonner. Pourquoi nous venons si nombreux comme ça? Pourquoi nous avons dépensé l'argent pour ériger ce bâtiment? Pourquoi cette attraction sur le Pouta 36? Il y a la distribution des billets de voyage. Il y a un voyage que nous allons effectuer. Tu dis ni loin de lui, tu gagnes chaque coin. Et les riches et les pauvres. Loin de lui, ni babange ni bahel. Venez prendre gratuitement. Loin nous angataï ngans chanan. En échange avec la repentance. Tu dis shintagaje ni ngans chanan kanyenga nyinga. Le profond regret. Unyinga lele ni moyo wa munda. Je vais donner l'exemple de ce que c'est que se repentir. J'ai filé chile chile chaka nyinga nyinga. Vous êtes dans un bis vers Mwenedito. Ujumunjil la mutai na mungu. Quelqu'un à côté de toi est blessé sur son orteil, toi tu ne connais pas. Muntu kulusaka lwe bako, mukale ni mputu kumwana wangas. Weko ni mumanyetu. Arrivé au niveau de Chitenga. On regarde dans la polygone là-bas, il y a les blondos qui suivent les creusers. Et beaucoup de passants sont en train d'observer ça. Alors tous les passagers dans les bus seront criés de ce qui se passe. Et un volontairement. Tu voulais aussi t'élever. Tu piétines quelqu'un qui est à côté de toi. Tu m'as piétiné sur la plaie. Tu as piétiné dans la plaie. Tu as piétiné dans la plaie. La plaie. Maintenant tu regardes. Pardonnez-moi. Superficiellement comme ça, trop léger comme ça. La repentance, vous partagez le même douleur que la personne ressente. Ah, mon frère. Je ne savais pas que tu m'as dit. Je ne savais pas. Tu sens cette douleur-là. Branham dit chaque fois que nous péchons, Jésus ressent les mêmes douleurs qu'il avait reçues chez Pilate. Branham dit tout le monde, je suis en bas. Dieu m'a dit que tu es en pécate.
Yesu jumvo bisama bia momu mbivu yu mumvo kwa Pilato. Mais maintenant, si tu te décides, binge wa muhangajik, tu prends la décision. Wangataji hangajik. Comme les militaires romains. Bumbos basalai barbe na lo. À la guerre, il brûlait les bateaux derrière elle. Prendre la décision. Parce que d'un moment à l'autre, cette terre sera détruite. Décidez-vous à partir de ce matin. Et si vous vous décidez, arrangez entre vous. Va demander pardon à papa. Demande pardon à maman. Demande pardon à ton frère. Demande pardon à ta soeur. Là, c'est un arrangement entre vous. Ce n'est pas fini. Quand tu termines à arranger avec les gens, quand tu termines à arranger avec papa, tu viens à la croix. Parce que tu ne sais pas comment Jésus sentait dans son cœur. Quand tu méprisais les diacres, tu ne sais pas comment il s'en fait. Oui. Branham a pardonné, maître. Branham s'est fait le maître. Mais Jésus n'a pas pardonné. Moïse a pardonné Myriam. Dieu n'a pas pardonné. Tu arranges avec papa. Tu viens maintenant auprès de Dieu. C'est la dernière personne. Là, tu viens humblement, sincèrement. Père, j'ai honte de moi-même. Tu as dit honore ton père et ta mère. Mais regarde comment je réponds à maman. Regarde comment quand maman m'envoie les sentiments que j'ai. Parce que Branham se repentait même pour les pensées. Je sais que mon père vient de me pardonner, Seigneur. Mais toi, le Père Céleste, je ne sais pas comment tu sentais dans ton cœur. Ne peux-tu pas avoir pitié de moi? Là, c'est ton cœur qui parle. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me regarder comme cette femme samaritaine? Tu ne peux pas me regarder comme ces brigands à ta droite. Je me suis souillé avec des filles, Seigneur. Ne me laisse pas mourir, Seigneur. Je décide d'arrêter cette vie. Oh, cher agneau du calvaire. Ah, ne peux-tu pas m'accueillir aussi? Il est plus tard que nous ne le pensons. D'un moment à l'autre, les portes vont s'ouvrir. Je me repens. Je regrette mon iniquité. Je regrette mes transgressions. Je te promets. Plus jamais je ne le ferai. C'est ça. Vous êtes en deuil. Là, le Père regarde. Oh, Dieu de Malachicatre. Souviens combien tu es resté ni à la croix. Moi, je suis un homme de gentil. Seigneur, j'accepte le calvaire. Je méprisais n'importe qui, Seigneur. Ne me laisse pas la seule voix. C'est dans des plaies, dans des cris. Il dit, criez, n'ayez honte de personne. Restez à genoux. Gémissez. Criez. Tapez du pied. Regrettez. Mourez. Décidez-vous. Plus jamais je ne le ferai. Oh, grand Dieu d'Israël. Tu as toujours pardonné. Pardonne-moi aussi. Combien je suis commère. Combien je critique. Combien je suis. Jésus va vous accueillir. Yes, nous allons accueillir là. Quelle belle occasion. Pour vous lever la caille. Revenez mercredi. Allez là, Mujisat. Jeudi, revenez encore. Mujinai nous y a été. Et vendredi, nous allons imposer les mains. Mujitani du tenter la bantu bien. Les portes sont ouvertes. Bibi, bika angula.
Les soirs dans l'ancien temple. Mercredi venait. Reviens jeudi. Pour recevoir cette bénédiction. Jésus veut te pardonner. Il veut pardonner tes péchés. Il a une mère de l'oublier. Il est entièrement disposé à vous pardonner. Entièrement et totalement disposé. Acceptez-le. Et humiliez-vous devant lui. Prions tous le Seigneur. Semana.
Nous te rendons grâce, toi notre Père Céleste. Merci pour ce programme important, Père. Merci pour l'onction que tu as déversée sur ton serviteur, ô Dieu. Afin de censurer tous les péchés au milieu de nous, ô Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui peux toucher le cœur. C'est toi qui donnes la repentance à Israël. Tu n'as pas changé, tu es le même. Descends, ô Dieu. Touche le cœur de tout celui qui a suivi cette parole. Que
qui ne s'arrête pas seulement ici, Père. Continue avec lui, ô Dieu. Que cet autel ne soit pas, ne s'arrête pas seulement ici. L'ancien temple est ouvert. Nos maisons sont ouvertes pour l'autel, Seigneur. Il y a un service de baptême qui est prévu. Ô Dieu notre Père, pour une seule âme qui se répand, la Bible dit qu'il y a une fête au ciel. Regarde tes enfants, ô Dieu, en train de se poumonner, ô Père. Je crois qu'au ciel qu'il y a une grande fête. Alors, ô Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Aide chacun, Seigneur, à prendre la résolution. À ne pas s'arrêter, Seigneur, jusqu'au bout. Je te remets tous ces services entre tes mains, Père. Et toute la semaine entre tes mains, ô Dieu. Sois celui qui prend tout le contrôle de ce service. Et prends le contrôle de la vie d'un chacun, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Regagnez vos places d'abord. Je voulais revenir sur le programme. Nous avons suivi que mercredi il y aura encore instruction et jeudi aussi. Il y aura encore instruction mercredi et jeudi. Et l'imposition demain, c'est vendredi. Je crois que c'est la chose la plus importante pour notre vie. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est prioritaire vraiment, c'est notre ticket pour l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, vous ne participerez pas à la résurrection. Sans le Saint-Esprit, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la victoire sur le péché. Alors, nous avons nos programmes spécifiques, chacun individuellement à ses programmes. Chacun individuellement a ses propres programmes. Mais le programme de cette semaine, c'est le programme de Dieu. Je pense que si réellement vous avez soif du Saint-Esprit, vous allez mettre vos programmes à côté. Et vous serez ponctuel au temple. Le frère Branham conseillait que quand vous venez, vous serez ponctuel au temple. J'ai fait marche arrière, je voulais dire autre chose, mais j'ai fait marche arrière pour dire, venez à temps au temple. Parce que le frère Branham me dit, quand vous venez pour l'imposition demain pour chercher le Saint-Esprit, ne venez pas avec le mal, suivez les instructions. Dieu a tracé un programme pour cette semaine.
Nzambi nye umusebela muteka ndonga mumujima wende yeye walubingu tutubashi. Mercredi, jeudi et vendredi imposition de main. Muji satu, muji nai, nkulonda kwa njila atu tufika muji tanu, nkutentekele kwa bantu bianza, wakwa kijila nyuma muimpa. Alors, soyez à temps, mettez vos programmes à côté, venez pour le programme de Dieu et à temps. Nufika kumpala kwa jiba mwabeo, nuanji kwa ngate nundonga mu, nuiteka kuluseka, kalibwa ndonga mu wanzambi, nujitokela, wakufika kumpala kwa jiba. Si nous constatons que vous êtes zélés et que vous êtes nombreux, bien avant 16 heures, je crois que les portes, nous allons les ouvrir, même bien avant, les portes du temple. Te tu wabangi jile bile, ngabalonde shabo mwaneni, nujini luku nukunu lwa abunyi, nujini yehe nukabidi mwabe kumpala kwa jiba, jiba atutituka angule bibibi yetu, kumpala kwa jiba ibamu lolo. Oui. Et yo. Ne soyez pas insensés sans suivre les instructions en négligeant mercredi et jeudi pour venir seulement le vendredi. Kanuika jibu muji bantu bajigaba ibatuila malu bikale benenu lengo muji satu kanuinu ye mwabeu muji nai kanuinu ye mwabeu bwanuji mwakufika kudilonda janjila ujubu baleja pindi anufika muji tuku ya muji tanu bwani panutente kila bianza bwanenu kwa kijila nyuma mwimpi. Non, ça dépend vraiment de la manière que votre cœur prend la chose. Bwalo mbulala ku mushindu ji muji hikaheba uji muteka moyo weba ku bwalo ebunungu. Ok, prions pour la récolte des dîmes. Seigneur Dieu notre Père, nous t'avons déjà remercié pour l'onction que tu as envoyée et les services que nous venons de suivre. Maintenant, pour compléter notre culte, devons prélever les dîmes et les offrandes. Bénis ce service et chacun de nous qui va y participer. Et c'est là pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les travailleurs personnels sont priés de rester après culte. Benemujimu ba habo abo eshi ba travailleur personnel ba diba nulomba wani nwashala hajimantende luetu. Vous allez vous asseoir au fond du temple où vous rencontrerez le diacre Marlin. Ninu ikala mwakushala ninu kusomba mundeke ilu mwa temple luetu hanshashaha mwabu nikala mwakututakena ni mulami samader. La sœur Ndaya Mwamboui Jeannette remercie le Seigneur. Parce qu'il a exaucé les prières des saints. Mais la sœur ne nous dit pas ce que le Seigneur a fait. La famille Justin Kibou remercie Dieu Tout-Puissant pour la réussite de leur fils aux épreuves d'admission à l'ISTE. La famille Mitéo remercie tous les saints du tabernacle de Mbujimaï pour leur consolation lors de la mort de leur papa. Leurs remerciements vont en particulier aux juridictions Jean Kaloubi et Pierre Kalenda Djiboué. Et il demande au Seigneur de vous bénir tous richement. Un petit enfant du niveau maternel est égaré ce matin au centre de Bayiko section A. Prière d'aider les parents à retrouver cet enfant.
Les parents restent au niveau de KCC. Au quartier Moudiba. Commune de la Kanchi. Les numéros de téléphone. Nomba wa chikolokolo chienda 0 85 633 1243. L'enfant s'appelle Diem. Mwane ujine jenda Diem. Il est âgé de 5 ans. Ujine bidimu bitanu. Il y aura un service de baptême après ce culte. Ceux qui sont intéressés par la chose, lorsque tout le monde sera sorti, vous viendrez vous placer à notre droite. Il y aura un diacre qui viendra vous entretenir. Communiqué du diacona. Pour ceux qui doivent prendre leur baptême, nous avons les habits de rechange. Tous les surintendants de nos centres de l'Ecodim, ils sont priés de passer au secrétariat de l'Ecodim après culte. Pour le retrait d'un document de travail. Le frère Raymond Kalombo. Moniteur au centre de Kasavubu. Il y est aussi invité. C'est l'Odigre Kodim qui signe ce communiqué. Tous les gardes de la radio sont priés d'assister à une réunion. Ce dimanche après culte dans le bureau des gardes. C'est le secrétaire qui signe ce communiqué. Le pasteur Georges Kayembe remercie les dieux tout-puissants. Pasteur Georges Kayembe, pour sa bonté envers leur foyer. Ce foyer qui vient de totaliser 25 ans de mariage. Il bénit à jamais le nom du Seigneur. Le frère, don de Dieu, Mfuni Lumpungu. Mwane twabaluma, don de Dieu, Mpungu Lumpungu. Qui a conclu le vœu de fiançailles hier samedi. Il est prié de voir le secrétaire après culte. Il y aura vœu de fiançailles le samedi 24 avril. À 11h juste. Le couple concerné. Frère Serge Kabamba. Mwanetu wabaluma Serge Kabamba. Et la sœur Marianne Mbombo. Ni mwanetu wabakaji Marianne Mbombo. Communiqué du diacona. Mamanisha adialhoka kabidikunsubu wabalami. Les diacres si après appellent leur juridiction à les rencontrer après culte à leurs endroits habituels. Balami batu de tombe kote laba, badiba bigila ba mobitu habiabo, babatutake nanabo miaba ya chibidilu hany mantendeluetu. Ils insistent que tout le monde aille répondre à ces appels. Badiba suminina wani bantu bonsu bahuile. Diacre Tchema, ils seront ensemble avec la juridiction Fernand Kanda. Bamwa mulami Tchema, ni bigala hamwa, ni ba mwa mulami Fernand Kanda. Diacre Marlin, diacre Georges. Diacre Deba, Diacre Kato, Diacre Liveil, Diacre Nathanael,
Diacre Félix et Diacre Seba. Il y aura communion fraternelle le mardi dans la juridiction du diacre Pierre Kalenda Djiboué. Mujibidi nikui kala chuko ngocha bana ba muntu muchituwa cha mulemi Kalenda Djiboué. À 16h30. Aji ba ibamulolo ni minuta mission sama kumi asatu. Chez le frère Kasonga Willy de la Miba. Kumbelo kwa mwana tukasonga Willy mukamponyi Kamiba. OK. On nous dit que l'enfant de l'école de l'Ecodim qui s'était égaré a été retrouvé. Que Dieu soit loué. Zambia Tumbishibwe. Diacre Kalenda Djiboué, comme il y a un programme spécial, mercredi, jeudi, vendredi, je pense que si ce n'est pas une urgence pour mardi, la communion peut être postposée. Comme ça, à moins vraiment que ce soit quelque chose d'utile. Alors venez confirmer ou infirmer cela ici. Yako umwana makota mbakutu shindikila bwalwebu. Le diacre Pierre Kalenda Djiboué veut rencontrer tous les comités des ACAP de chez lui, hommes et tous les comités, je crois que c'est le comité de chez lui, hommes et femmes après culte. Mulami Kalenda Djiboué dujenga kututakena ni kasumbu ka komekela midimisunguka ka mwenda momanaka mbona kwamba ne bani beto abakaji ni babaluma batubakwata midimweyi. Le diacre Pierre Kalenda Djiboué vient d'annuler la communion du mardi. Yemuina mulami Kalenda Djiboué wa shipi jikongwela dia bantu mu bobu mobana ba muntu mujibiji mwenda momwa. Dans la nécrologie walusekalo wa majilu. Le diacre Seba nous informe que notre sœur Marie Chilemba, Mulami Seba Adjo Tumanyeshe Bwani Mwane Twabakaji Marie Chilemba, épouse de notre frère Roger Kamba, Mukaji Wamane Twabaluma Roger Nkamba, elle a perdu son père biologique depuis Kinshasa, Mufuje Tatuenda Mumuleji Kuchinsansa, où elle se trouve déjà. Mkwina Koka, Kukaji Mukatomakasa Hatuli Twakula. Inclinons nos têtes. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, puisque tu es resté avec nous jusqu'à cette heure. Maintenant que nous voulons rentrer dans nos foyers, nous te prions de nous y accompagner, nous préservant contre tout danger, Père. Et nous remettons le programme de la semaine entre tes mains. Accepte de nous assister afin que tout ceci réussisse. Et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, entrer dans ton corps. Tout cela pour ta propre gloire. Raccompagne-nous dans la paix, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sortons dans l'ordre de nos diacres. Thank you.
a un frère qui a oublié son trousseau de clés. Qu'il aille au bureau des diacres pour le retirer. Sera sorti, vous qui voulez entrer dans l'eau de baptême, Neno Badibajinga Kubela Momaye à le baptisa. Vous viendrez vous asseoir à notre droite. Nino Alukila Montempe le Mouvaku Somba, Mouviba Sabidiko, Diabolo Majeto. Un diacre viendra vous entretenir. Nicolas Moulami Bokui Kilaneno. Ne vous en faites pas pour les habits. Nous avons les habits de rechange. Il y a un frère qui a oublié son chapeau. Voyez le diacre Seba pour le retirer. Et même vous qui avez oublié votre trousseau de clés. Voyez le même diacre, c'est-à-dire le diacre Seba. Vous Yeah.
Yeah.